Et oui, une autre année s'est écoulée. Et avant de commencer cette nouvelle étape, oh, au fait, nos meilleurs vœux à tous pour cette année 2023 que nous inaugurerons prochainement. Nous disions que le début d'une nouvelle année est toujours une excellente occasion de prendre des résolutions qui signifient, pour nous aussi, un nouveau départ. Une nouvelle année est aussi l'occasion de nous renouveler. Mais comment faire ? Eh bien, voici quelques habitudes et comportements que tu pourrais proposer d'introduire dans ta vie et dans tes habitudes quotidiennes. Nous t'assurons que si tu les respectes, tu verras ta vie et ta santé s'améliorer considérablement en 2023. Numéro 1. Lis chaque fois que tu le peux. Qui n'aime pas lire ? Eh bien, beaucoup de gens le font. Mais on y prend goût après le premier chapitre, c'est promis. Si tu commences à lire un livre qui te détend et te calme, au bout d'un moment, tu constateras que tes pensées deviennent elles aussi plus calmes et plus cohérentes. Tu peux te passionner pour un roman passionnant et ambitieux, et lorsque tu refermes ce livre, tu ne peux t'empêcher d'avoir une vision plus ambitieuse et plus passionnante de ta propre vie. La lecture nous emmène dans un nouvel endroit et nous met dans la peau d'un autre. Non seulement c'est une bonne habitude à prendre, car elle peut t'aider à te détendre lorsque le monde réel devient un peu difficile, mais elle t'aide aussi à apprendre beaucoup de choses. On peut dire que tu deviendras un peu plus intelligent et plus compétent à chaque chapitre que tu liras. Numéro 2. Détermine l'heure à laquelle tu es le plus productif et mets-toi au travail à ce moment-là. Es-tu un oiseau de nuit ou une personne du matin ? Si le terme « lève-tôt » te fait frémir et que tu te sens plus proche d'un vampire que d'un coq, alors tu devrais probablement planifier une partie de ton travail pour l'après-midi ou la soirée, mais pas pour minuit ou tard dans la nuit. Pourquoi ? Même si tu es un oiseau de nuit, il est préférable de respecter un horaire de sommeil régulier où tu dors surtout à la nuit tombée. D'autre part, si tu es une personne du matin, programme ton travail ou tes loisirs actifs en premier lieu le matin. Et si tu as besoin de quelques heures pour te réveiller, mais que tu as sommeil au coucher du soleil, l'après-midi pourrait être ta meilleure chance de productivité. Dans tous les cas, même s'il peut être judicieux d'essayer de modifier ton emploi du temps pour travailler plus tôt, si tu sais que tu n'es tout simplement pas du matin, il est préférable de planifier ta journée en fonction de cette partie familière de toi-même. Dans ce cas, tu peux te réveiller l'esprit tranquille le matin, à condition d'être vraiment productif ensuite. Numéro 3. Établis un calendrier et respecte-le. Maintenant que tu sais quand tu es le plus productif, organise-toi bien. Travaille ou sors le soir si c'est ce qui te convient, mais assure-toi d'avoir ton emploi du temps par écrit, que ce soit dans un agenda, sur ton téléphone ou sur une feuille de papier accrochée au mur. Rends-toi responsable de tes routines quotidiennes en t'engageant à respecter ce programme et vérifie que tu accomplis tout ce que tu t'es fixé. Numéro 4. Éloigne toute distraction. Es-tu souvent distrait ? À quelle fréquence ? Eh bien, il est temps de mettre ces distractions de côté. Maintenant que tu as programmé ton temps productif, tu dois t'assurer qu'il s'agit bien d'un temps productif, par exemple en rangeant ton téléphone. Parce que, avouons-le, c'est le téléphone qui te distrait, n'est-ce pas ? Si tu éteins ton téléphone ou si tu éloignes toute autre distraction, surtout si tu les laisses dans une autre pièce, tu pourras travailler davantage et plus vite. Numéro 5. Essaie quelque chose de nouveau et sors de ta zone de confort. Si tu veux que ta vie s'améliore, ne reste pas tout le temps dans ta zone de confort. Au contraire, tu dois essayer de nouvelles choses. Laisse la curiosité te conduire vers de nouveaux passe-temps, activités, opportunités ou lieux. Et ne doute pas de toi si une opportunité nouvelle et passionnante se présente. Même si c'est quelque chose de nouveau, vas-y ! Essaie ce nouveau passe-temps que tu as repoussé. Apprends cette nouvelle compétence. La vie est trop courte pour laisser tes passions, tes désirs et tes curiosités sur une liste d'attente. Chaque jour, lance-toi un nouveau défi, petit ou grand. Prends l'habitude de ne pas avoir peur de créer de nouvelles routines. Et peut-être peux-tu commencer par celle à laquelle tu penses probablement déjà. Et numéro 6. Privilégie la productivité à l'occupation. Ne confonds pas être occupé et être productif. Si tu es le genre de personne qui planifie son temps de travail pour ne faire que le minimum de travail pendant ce temps, il est temps d'essayer quelque chose de différent. Parce que tu as probablement déjà constaté que les méthodes ci-dessus ne te permettent pas d'atteindre tes objectifs et qu'il existe peut-être une meilleure façon d'aborder ce nouveau projet ou d'étudier pour ton prochain examen. Pour commencer, privilégie la productivité plutôt que l'activité.
En effet, tu pourrais vivre toute ta vie en étant occupé et te retrouver avec un changement minime dans quelques années. Au contraire, si tu choisis d'être productif et de travailler comme le meilleur de toi-même, alors ta vie pourrait être totalement différente dans quelques années. Poursuis sans crainte tes objectifs. Travaille dur dans ce que tu fais et trouve la méthode qui te convient le mieux dans tes circonstances particulières. Et alors, tu n'auras peut-être pas à travailler aussi dur que tu le pensais, parce que les choses sont tellement plus faciles quand on sait qui on est et ce qui fonctionne le mieux pour soi. Alors, à quoi veux-tu que ta vie ressemble dans l'année à venir? Quelles sont tes résolutions et tes engagements pour la nouvelle année? Dis-le-nous dans les commentaires ci-dessous. Nous espérons que tu as apprécié cette vidéo et si c'est le cas, n'oublie pas de nous laisser un like et de la partager avec un ami ou quelqu'un qui pourrait l'utiliser. Abonne-toi à la chaîne et appuie sur la cloche de notification pour être informé des nouveaux contenus. Et comme toujours, merci de nous avoir regardés.